Donc, nous revoici pour un autre épisode de la série NHL. On est à NHL 95. On vient de se faire les trois autres éditions en ligne. On est rendu en 95. Toujours sur Sega Genesis. Ce que je me rappelle de celui-là, ça fait quelques temps que j'ai pas joué, mais la toune à rock. Quand même! C'est sur la pochette... sur la pochette et dans le jeu, c'est Kirk McLean. En finale, la coupe avec les Rangers en 94. Donc, passons à l'action. Changement dans le menu. Je vais te laisser choisir la 1. C'est tout le temps toi qui me semble qui est à 1. On peut pas choisir, pareil. Ah non? Non. Yeah. Tout le temps du bord désavantageux. C'est moi qu'on échange de manette. Non, dans celui-là on peut. Ah ouais? Non. Ok. J'ai choisi. Ok, moi je pourrais être en. Faut que je sois en team 1. Ouais. Qui est fort cette année-là? 95. Québec, sont bons. Québec doit être encore fort. Tu prends Québec? Ouais. Okay. Kovalenko, Sidekick, Kamienski. Ouais, Sandin aussi. Forsberg, es-tu là? Non. Il était pas encore recru? Non, il était pas encore là. Montréal, Québec, ah ouais! Non. Montréal est peut-être plus mauvais quand même. Ah, surtout, on dirait que. Je sais pas si c'est pertinent, mais je pense que Tampa Bay est vraiment fort cette année-là. Non, là, j'ai pris une équipe poche dans l'autre, là. Non, ça va faire. je vais prendre Détroit. Comme le shooter de tantôt. 5 minutes? Ouais, on peut faire ça. Ok. Curtis Lessichin, quand même. Ah ben oui. Je suis Québec. Ah, c'est le début de. Ok, les cotes sont pas mal plus faibles. Ben. C'est ta cote générale. Tes bons joueurs sont quand même un tuteur, je pense. Oh, Sundin meilleur que Ciccarelli. Ouais, mais il est à 79. Je pense qu'il est hot. Ouais, t'as clairement l'avantage. Ouais. Parfait, t'as plus d'excuses. T'as fait battre comment dans les matchs? 9 à 4, mais j'avais les Panthers. Ouais. Ah, blablabla. Là, je suis du bon bord en plus. Tu fais une grosse évolution quand même dans ce film. Oh, c'est très rapide. Fuck. Là, je pense qu'on vient de pogner ma vitesse. Moi, quand Sundin est à terre et qu'il fait branler sa main, là, ça me touche. J'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Oh, Kamienski. Oh, bon tir. Il y a un bon contingent aussi de fans inconditionnels de ce jeu-là en ligne. En ligne? Ben, pas en ligne. Sur Internet qui jase de ce jeu-là. C'est un des premiers jeux en ligne. C'est le genre de site que moi je regarde. Ouais. C'est ça, il y a beaucoup de débats, là, c'est quoi la meilleure version, puis 94, 93, puis il y en a qui, une petite minorité, qui... Ils vont parler de 95? 95, c'est comme l'enfant pauvre, là. Pas l'enfant pauvre, mais, tu sais, le middle child. L'enfant du milieu? Ouais, qui est comme oublié, là. Oh! Dans le temps, je jouais pas, j'ai joué plus tard à lui. Quand je l'ai trouvé dans le village Gévalère, je pense. Ben moi, là, c'est peut-être parce que je mène 1-0, là, mais à date, je l'aime bien. Ouh! J'ai failli l'haïr. Oh. Hey, ça commence à être fatigué, mon joueur, hein? J'ai l'air de rien. Oh. Hey, j'ai encore pas le coffee. Ça, on l'a vu dans la conversion. Ouh! Je pense que tu as tiré dessus. Kamienski. Il semblerait qu'on peut commencer à viser avec nos tirs. Ah ouais? Ben là, il est allé du bon bord, en tout cas. Oh, j'aurais bien aimé le visser, le beau Paul. Oh! Kamienski. Ouais, nos lignes sont fatiguées. Que je vais attendre. Changer ma ligne. On est capable de changer en juin, mais... Ouais, c'est assez complexe. Faut que tu tiennes le bouton A pendant que t'as la puck
C'est pas facile. Là, ça lobe dans les airs pendant ce temps-là. Ben... Bizarrement, on dirait que. Hé, c'est Fedorov, toi, sur la deuxième ligne. C'est la deuxième. Ouais. Ah, mais c'est ça, moi, la première ligne, c'est Sundin. Là, j'ai les sans kick et c'est la deuxième. Chris, t'as grillé pareil, on dit que. Ben, c'est clair. Mm. Je veux dire, là-dessus, c'est. Dans la vraie vie, en 95, ils ont jamais joué à Québec. Ils étaient rendus. Oui, on joue ensemble à Québec. Sundin puis Sakic. Non, non, je parle 95. En 95, ils étaient rendus au Colorado. Ouais, mais le jeu est sorti en 94. Ouais, je sais, mais c'est ça. Ça, c'est la dernière édition. Ils n'avaient toute qu'une équipe, là, justement. Je sais pas, on va le voir dans le prochain. Dans le prochain jeu, s'ils étaient là encore, ils l'ont dit. Parce qu'ils ont perdu contre les. Cette année-là, ils ont perdu contre les Canadiens en série. Il non. Venait 2-0 dans... Ah oui. En 93. Puis on joue une saison de plus? Ils sont partis en 95, ils après la saison, cette saison-là, 94-95, sont déménagés. Mais dans la vraie vie, ils ont perdu contre les Canadiens? Non, ça c'était en 93. Puis ils ont joué une saison de plus? Deux saisons. Deux? Ouais. Puis une des saisons était courtée par la grève. Ok. Ah oh, ouais, dans mes souvenirs, j'ai jamais cherché vraiment là, à clarifier ça, mais dans ma tête, c'était vraiment ça. Eh ben. Oh, sweet! Oh! Ouais, ouais, ouais. Sean Burr. un nom que. Un des joueurs que je préfère le nom le plus. Ah ouais, Sean Burr? Sean Burr. Ça donne bien qu'elle gaulle, qu'elle se compte. Oh! C'est qui le neuf? Richie. Ah oui! Mike Richie. Ben trop vrai. T'es le joueur préféré à G dans le temps. On le salue. On salue G. Oh! J'aurais vraiment aimé compter et dire c'est pour toi G, mais ça a l'air que ça arrivera pas. Ah ouais? Ah! Il m'a pas suivi. Ouais, je vais changer ma ligne. Pas que le goaler. Si vous jouez à ce jeu-là, changez pas votre ligne avec votre goaler. C'est pas bon. Oh, fuck! Pourquoi c'était son joueur préféré à G? Je sais pas. Parce qu'il était, pas beau? Je sais pas. Oh! Oh. Comme mon ami. On est à la pénalité du match, je pense. Non, c'est la deuxième. T'es content des avantages? Oui. Oui. Mon ami Justin, son joueur de soccer qu'il a le plus aimé, c'était Roberto Baggio. C'est le gars avec la plus grosse coupe longue que j'ai jamais vu de toute ma vie. Je le connais même pas. Mais c'est un joueur de soccer. Ah! Je te l'ai dit. Parle d'un... Tu m'écoutes pas quand je parle, t'es trop concentré. Je t'écoute un petit peu. Oh! T'as vraiment peur de perdre cette partie-là, là. T'es très concentré. Oh! Là, je n'ai rien perdu une. Ah, oh, puis il prend les comptes en plus. On devrait faire un petit. Ben là, t'as toutes joué déjà. Lui, pas souvent, je te dirais, je t'avoue. Ben, la réponse est non, pas. C'est pas souvent. Moi, j'ai jamais joué. J'ai joué une couple de fois, mais je jouais plus à 94. Mais ça se ressemble, par exemple. À ma défense. Mais il y a une bonne évolution des graphiques, je trouve. Oui, il y a un petit peu plus rapide. Ben, les joueurs sont plus gros, je trouve. Je sais pas si tu vois, mais. T'sais, là, on a pris des équipes relativement de façon aléatoire. On savait qu'il y avait des bonnes équipes dans ce temps-là. Mmh. Mais c'est quand même, ça semble quand même balancé, tu sais. Ouais. Ah, je sais pas, ça serait quoi si on prenait justement une équipe d'expansion, mais. Fais pas ça. Mais peut-être un travail qui a été fait à ce niveau-là. Ouais. Mmh. Là, je retombe du bon bord. Mmh. Regarde, les joueurs sont plus gros. Pas mal. Et on dirait qu'ils vont plus vite aussi. Fait que t'as moins de temps pour. T'as moins d'espace. Pour réfléchir. Ouais. Oh! Oh! Ah, oh, bon, t'as vu. C'était si beau. Oh, Chamber. Je pense que c'est lui, la 11. Oh! On n'a pas encore cassé de vite. Tu peux casser à vite. Oh. Je pense que c'est là qu'elle a cassé la vite. Ouais, je suis pas sûr que ça casse. Pas sur un plaquage, mais.
Oh, ça a failli le faire. Ah merde, j'ai pris le checking à cause de ça. À travers. Oh, oh oui! Oh, non. Qui est content? Celui dédié à G. Mike Ritchie! Merde. Oh, ça c'est Kovalenko, ça, 51. Ouais. C'est pas pire, c'est le numéro, quoi. Ces années-là, ayant joué à... Ça reste, oh! Ça reste imprégné, tu sais. Ouais, puis en plus, les noms n'étaient pas écrits, hein, fait qu'on n'avait pas le choix de les apprendre, si on veut. Ouais. Ça voulait connaître un peu... Oh! Nice. Fedorov Kozlov. Ouais, c'était une grosse ligne, ça. Ta deuxième ligne est plus forte que ta première. Tu penses? Mais non, j'ai Iserman, puis... Fedorov, il est hot, il est à 100. Ouais. Il est à 100? Il était, il avait 99. Oh! Oh! Quel arrêt de Fizet. Oh, quand même. C'était Stéphane Fizet. Quand t'as des petits points, c'est-tu censé être bon ou... Je sais pas. Les pénalités, là... Oh, les... One Nolan! Oh, boy! Le cowboy, mes amis. L'écran des pénalités est pas bon. Faire quand tu vois aller au banc. Ouais, ça ralentit, tu sais, tu penses que tu vas être prêt à jouer. Oh, quel jeu! Oh. La Pointe. Claude Lapointe. Ah, ouais, il a joué pour... Il a joué pour Québec? Ouais. Eh ben, bien content qu'il était là. Ça m'arrange. Oh, je pensais que ça y était. J'étais rendu au bord du but, mais ça aurait été bon. Oh, il reste une minute. Je vais juste contrôler la rondelle. Pas de ah! Oh, Ray Shepard. Oh! Oh! Yes! Ça m'a un peu donné, hein? Shepard! C'est mon joueur préféré. Pour ça, j'ai pris... Pour ça, je l'ai pris dans mon... Comme nom de... T'as pris dans ton pool? Non, non, mais c'est mon... C'est mon nom de blogueur. Ok. Oh! Ah non! Ouais, on va aller en prolongation. Ben oui, j'étais un peu content qu'on aille en prolongation, tu sais. C'est la première fois, hein? Ouais. C'est pour ça que je t'ai laissé compter le dernier. J'ai tellement à faire. Non, tu me suis fait ton show-off avec ton douleur. Ouais, tu penses? Oh, j'espère que je vais rester du bon bord. Ah non! Ah ouais, cool. Owen Nolan, ça avance. Oh, chou, tabac. J'ai surtenu. C'était très subtil. Oh, bon lancé. Oh, j'ai failli l'échapper. Kamienski. Oh, Sundin, qu'est-ce que t'as fait là? Sort la grosse mitaine. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Tu avais mis ça un beau but de grind là. Ouf! Ouh! T'étais chanceux là. Kamienski! Oh, Kamienski qui se fait visser, mes amis. Oh, c'est une prolongation de 10 minutes. Ouais. Je l'ai pas remarqué. Oh! Ok, je change ma ligne là. Sundin! Ma ligne doit être morte. Ouais. Ouais, moi, c'était pas pire quand même aussi. Oh. On a pas changé depuis le début de la période. Oh, attention. Numéro 7, c'est qui ça déjà? Le Session. Ah, ouais. Oh! Oh, Ciccarelli. Oh, il s'est plaqué. Oh, petite passe. Kovalenko est très rapide. Oh. Je crois que je vais utiliser cette vitesse. Oh! Je sais pas si Kovalenko. Ah, oh, Kovalenko, c'est la même ligne que c'est sa kick. Fait que tu peux dire Kovalenko, c'est la kick. Tu peux le dire. C'est possible. Je peux dire Ciccarelli, puis. Oh, 25.
Oh non! C'est ça la kick! Fallait que tu vises! Ah, ma ligne est morte. Ah, je savais que c'était un hors-jeu. Merde. Merdoué. T'as dû changer tes lignes. Là. Ah ouais. Pêche-toi. C'est pas ça que je voulais. Bon. Ben, ta ligne 1 est bonne. Malgré qu'en overtime, 1-1 oh! Contre checking, c'est peut-être une bonne idée. Oh! Fait deux, là! Oh non! Je pense que t'avais ton checking line. Ouais, c'est pour ça. C'est une passe, je l'avais fait. Pas capable de plaquer. Oh non! Il est bien là, 55! Oh! C'est Adam Foot. Ah ouais, tu penses? C'est pas le 5 à même pas. Ah non, 55, ça se peut. Ah! Ça, c'était un but grinder. Sean Burr! Pas sérieux. C'est l'étoile du match. Hein. Quelle fin. Hein, ouais. Ah oui, première étoile. Mike Ritchie, troisième. Pour G. Hein? Notre ami G, qu'on salue. On salue. Ouais, 95, pas pire. Ouais, c'est agréable, franchement. J'aurais pensé que, tu sais. T'sais, on a tellement dans notre tête que le 94, c'est le grand classique de tous les grands ouais. classiques. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, j'ai vraiment apprécié. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait encore... ça va toujours de plus en plus vite, là. Mais, ah ouais. Mais cette fois-là, on dirait qu'on était capable de plus faire des beaux jeux. Ouais, exact. Des tirs, tu sais, des passes raides au centre que le joueur va dévier. Ça, on voyait pas ça en 94. Des bons... des joues, là, des bons... Ouais, on est capable de manœuvrer quand même assez bien avec le bâton. La toune à rock. Oui, effectivement. Non, vraiment une belle coche. Moi, j'aime bien. OK. Donc, on s'attendra pas plus. On va... Non, on peut aborter la game. OK. Attendez. Pas l'intérêt quand c'est fini. Je vais voir le... Il nous montre pas le... Comment t'appelles ça? Le résumé? Le résumé des stats. J'aime ça, moi. Le gars de stats. OK, on s'en va. Donc, merci tout le monde. On va passer ensuite au prochain épisode. Dans le prochain épisode, ça va être le dernier sur Genesis, c'est NHL 96. Donc, à la prochaine.